les élèves. Demain, il y aura un examen surprise. Demain? Super! Trop génial! Bon, c'est pas une surprise, puisque je vous préviens à l'avance. Vous avez 24 heures pour bien réviser. Bonne chance! À demain! Je suis prêt à 100% pour cet examen. Bonjour tout le monde. On commence le test. Waouh, trop facile. 3, 2, 1, go! Ça va être rapide. Voilà, j'ai fini. Voilà, madame. Bravo Verity, tu as répondu à toutes tes questions. S'il vous plaît, 20 sur 20. S'il vous plaît, 20 sur 20. Félicitations, tu as 19 sur 20. Oh non, 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 non. Alors, est-ce que vous avez bien révisé hier soir? J'espère bien. Ouvrez la page 26 et commencez l'épreuve. C'est le jour d'un examen. J'ai l'impression que je ne connais aucune réponse. 5 plus 5 plus 3. Chelsea, on ne parle pas pendant l'examen. Comment je vais faire pour trouver la réponse? Verity, allez réviser. S'il te plaît, c'est quoi la réponse pour l'épreuve numéro 3? C'est pas bien de tricher. Faut pas tricher. Oh, oh Verity, c'est pas juste. Non, 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 on ne triche pas. Moi, s'il te plaît, donne-moi la réponse. Chelsea, est-ce que tu parles avec Verity? On ne parle pas pendant l'examen. Non, madame, je ne discute pas avec Verity. Non, non, non. Je m'excuse. Ma camarade de classe ne veut pas me donner la réponse. Qu'est-ce que je vais faire? 1, 2, 3, 4, 5. Chelsea, pas de bullier. Non, madame, non. Oh, rends-le-moi tout de suite. Je ne voulais pas tricher en utilisant le boulier. Tout de suite! D'accord. On ne triche pas pendant un examen. Il faut utiliser ta mémoire. Mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai une idée. 5 plus 5 plus 3. Je peux trouver cette réponse en rêvant. Si Chelsea a 5 bouquins, et ensuite Verity est gentille et lui donne 5 bouquins de plus, et la maîtresse ajoute aussi 3 bouquins, ça fait combien? Allez, on les compte ensemble. 5 plus 5, ça fait 10. En plus, on ajoute 3, ça fait 13, bien sûr. Allez, Chelsea, voici la réponse. 13. J'ai la réponse. 5 plus 5 plus 3, ça fait 13, bien sûr. Alors, est-ce que tu as trouvé la réponse? Eh oui, Verity, je n'avais pas besoin de tricher. Il suffisait de rêver. Voilà, c'est la fin de la classe. Attendez, il n'y a pas de devoir. Par contre, je vais vous rappeler que demain, nous allons sélectionner l'élève le plus rapide pour représenter notre école au concours des élèves les plus rapides de la France. À demain. Il est temps de passer à l'entraînement. Il faut que je m'entraîne à battre mon record. Le lendemain. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons sélectionner l'élève le plus rapide pour le grand concours. Bon, je ne peux pas vous aider, mais par contre, nous allons faire des petits exercices.
parce qu'on écrit beaucoup dans un examen. Allez, tout le monde, on chauffe les doigts. Imaginons que nous avons deux petites araignées sur un piano. Il faut aussi chauffer le cerveau parce que le cerveau est nécessaire pour participer dans des concours. On tourne bien la tête. À gauche, à droite. À gauche, à droite. À gauche, à droite. Très bien. Et maintenant, fermez les yeux très très fort et ensuite les ouvrir. Ça nous aide à mieux lire. Très bien. Prenez vos stylos. Go! Tu as terminé l'examen en 25 secondes chrono. C'était le plus rapide de la classe. Mais je vais corriger ta fiche pour voir si tu as tout eu correct. J'ai 20 sur 20. Non. Désolée. Tu as rempli le questionnaire à l'envers, Verity. Oh non, non. Mais l'avantage, c'est qu'il te reste toujours le temps pour terminer l'examen. Oh, merci, madame. Bonne chance. Les enfants humains font tous des examens. Pourquoi ? Ça fait partie de le parcours scolaire. Et pour que l'école s'assure que vous avez le niveau d'éducation nécessaire pour entrer dans le monde de travail quand vous serez adulte. Je vais lancer la révision. Je lance le programme éducatif depuis la maternelle. Alphabet, comptine, les parties du corps, les chiffres de 1 à 1 million, les calculs, le dicté, la poésie, la science, l'histoire. Le lendemain. Bonjour les élèves. Bonjour madame. Est-ce que t'as lu tous les chapitres du bouquin? Pardon, Verity? T'as tout lu? Oui. Tous les chapitres du bouquin? En effet, j'ai beaucoup révisé. Est-ce que tu as déjà terminé? Oui madame. Elle a déjà terminé? Mais elle est toujours la première. Comment elle fait? Est-ce que vous voulez corriger ma fiche? Oh, très bien! Merci! Félicitations! Tu étais la meilleure! Merci, madame. Je suis fière de toujours être la meilleure en classe. Donc je serai toujours derrière toi? C'est pas juste! T'es toujours la meilleure! Peut-être l'année prochaine. Il faut mieux réviser, Verity. C'est clair. L'année prochaine, je dois bien réviser. Merci.